avant-dernière confrontation de cette 16e journée de compétition. Mais avant d'y revenir de manière beaucoup plus claire, je vous propose un petit point sur le classement général, notamment pour voir les conséquences directes de ce petit point pris par Ostend, qui du coup remonte un petit peu sur Beveron. Et puis, de manière générale, c'est toujours intéressant de le souligner, hein, cette lutte au top 8 pour ceux qui viennent nous rejoindre, qui est tout aussi importante, tout aussi intéressante. Ouais, bah justement, on sait que ce match-ci, justement, il n'aura aucun changement pour ce classement. Donc c'est vrai qu'on peut peut-être l'analyser, regarder justement que... Bah, le top 8, ça va être quand même chaud pour la 8ème place. Après, de manière générale, il n'y a plus qu'une ou deux équipes qui peuvent revendiquer une place dedans, genre Moucron, Louvain, mais à part eux, à partir de la 11ème place, c'est fini. Même les deux confrontations qui suivent, non seulement la prochaine, mais également celle qui suivra, n'auront plus d'influence directe sur le haut du classement général. C'est pour ça que c'est intéressant déjà de l'analyser. Évidemment, pour tous ceux qui nous suivront jusqu'à la toute dernière confrontation de cette journée, on y reviendra aussi de manière encore plus détaillée avec l'ensemble des scores qui auront été faits. Mais comme ça, vous avez déjà un petit point de vue là-dessus. Concentrons-nous sur cette confrontation. D'un côté, Courtrai, de l'autre côté, Beveron. On a souvent été déçus par Wasson Beveron, par Yelmas. On espère qu'il va réussir à se relever ici face à un adversaire quand même assez fort, pour ne pas dire un des plus forts de la compétition. Ouais, bah c'est vrai qu'il a été longtemps sur le podium, puis maintenant il a reculé un petit peu, mais voilà, il est quand même quatrième, donc c'est quand même un très très bon adversaire. L'année dernière, il était aussi demi-finaliste, si je dis pas de bêtises. Donc ouais, voilà, Mainz, c'est un très très bon joueur. Il concède très très peu d'occasions à son adversaire, donc c'est vrai que c'est pas forcément le joueur le plus facile à jouer. Et très difficile, en plus il a cette faculté à garder le ballon, à marquer pratiquement à chaque fois. C'est rarement beaucoup, hein, souvent un but, deux buts, mais il marque pratiquement à chaque match et il encaisse très peu. C'est la meilleure défense du championnat, toujours maintenant. Oui. Je pense, avec en plus les buts encaissés par Zutemargem récemment, eh bien ça a dû encore s'améliorer. Donc une belle confrontation en perspective. Oui, c'est vrai que lui, c'est pas forcément le spectacle, c'est plus le résultat qui compte. Et 0-1 ou 1-0, c'est suffisant, tu prends les 3 points. Et oui, c'est tout aussi important. Voilà, j'ai la statistique justement devant moi. 10 buts encaissés. Maintenant, on en est à 13 du côté de Schultz. Il faudrait que Courtrai encaisse 3 buts dans cette confrontation pour revenir à un certain équilibre, une certaine équité avec Schultz. Ça va être évidemment très difficile, c'est plutôt rare, mais il ne faut pas sous-estimer Yelmas. On a tendance à souvent être plutôt acerbe avec son jeu. Pas avec la personne en question, mais avec son jeu, parce qu'on le sent bien que son jeu est en dessous du reste de la compétition. Oui. Mais malgré tout, on se rappelle du nul prix contre Zultowarigem, tout est possible. Ah, c'était une petite surprise, c'est vrai. Et puis à ce moment-là, on se disait peut-être qu'il pourrait prendre pas mal de points, et au final, la compétition a avancé, il est resté bloqué avec un point. Ici, contre Mainz, je ne pense pas qu'il va pouvoir prendre des points, parce que voilà, c'est un adversaire quand même du haut de classement qui joue très très bien. Par contre, après, il aura un petit match contre le KV Ostend qui vaudra le détour. Ah, ça, on l'attend évidemment avec grande impatience. La confrontation qui décidera du sort de ce bas de classement, de cette 10e et 18e place. C'est toujours évidemment beaucoup plus éloquent de parler d'avant-dernière position que de dernière position, qui est souvent très difficile à vivre. Non seulement, on l'a vu durant les années précédentes, les joueurs qui terminaient en dernière position étaient souvent très attristés, finissaient très mal cette compétition. Et je pense qu'aucun des deux n'a envie de se retrouver dans cette position et attendent tous les deux avec impatience cette dernière confrontation. Lancement de ce match entre Beveron et Courtrai. Alors on l'a souvent dit, hein, le gros problème du côté de Wasson Beveron, c'est ce côté, cette défense très très passive, avec cette tendance à laisser la défense un peu automatiquement faire ce qu'elle veut. C'est-à-dire qu'on va laisser les défenseurs contrôlés par l'ordinateur avancer. Non, c'est vrai. Après, ça fonctionne bien sur ce FIFA 21-là, mais il faut pas trop le faire non plus. Et c'est peut-être un petit peu dans l'excès du côté de Yelmas. Oui, c'est vrai. Sissoko a déjà récupéré ce ballon avec Courtrai. Mais regardez, voilà, c'est exactement ce dont je vous parlais ici, une défense extrêmement passive. En fait, on ne va pas sur le porteur du ballon. Oui. La plupart des joueurs, lorsqu'ils veulent couper les trajectoires, avancent progressivement vers le porteur du ballon en essayant de bloquer en même temps la direction. Beveron, ce n'est pas ça. Belle récupération de Vukotic. Beveron, il va presser le joueur en question. Donc, pas le porteur du ballon, mais le joueur qui serait visé par la passe. Oui. Ça change un peu tout. Du coup, il n'y a aucun joueur, aucun défenseur qui vient attaquer le porteur du ballon et il avance, quoi. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai que voilà, c'était une manière de jeu qui était fort répandue en début d'année. Puisque voilà, l'ordinateur défend très très bien tout seul. Et certains pros ont même trouvé une petite technique. Maintenant, ça a été corrigé avec certains patchs. Mais vu que tu peux annuler toutes les animations du jeu cette année avec R2 et L2, il y a même certains qui tiraient, qui annulaient. Comme ça, l'ordinateur plongeait pour tacler, pour contrer le tir. Ah, logique. Sinon, impossible de trouver l'espace pour marquer.
Absolument, tout à fait logique, je n'avais jamais entendu parler Voilà. Mais voilà, de c'était sa un secret technique. bien gardé par les pros, parce que si t'arrives à... Alors, tout le monde a le Voilà. fait. Ouais, bien sûr, Gano, attention, sculpteur de Gano, la croquette, et le but! 1 but à 0, 14e minute de jeu. On va parler d'efficacité hein, devant les buts pour Courtrai, voici une preuve tout à fait éloquente. Déjà un premier but, et c'est tout à fait intéressant à analyser. On a de belles prouesses techniques à l'introduction. Et on ressent déjà, voilà, il y a le master de son match. C'est ça. On le voit physiquement devant votre écran. Et Ford. C'est bien pour Mainz d'avoir trouvé l'ouverture rapidement dans ce match, parce que sinon ça aurait pu être un peu plus compliqué. Ouais, c'est vrai. Même si en soi, il n'a pas forcément besoin de points. Dan pour Makarenko. Non, il n'a pas besoin de points. Après, voilà, passer à 33, Ouais, c'est c'est toujours toujours mieux. bien. Mais je veux dire, ça aurait pas été non plus dramatique s'il faisait un match nul. Non, ça c'est clair. Théorie, grâce à son statut en 33, si Charleroi perd le prochain match, il pourrait accéder au podium en cas de victoire supplémentaire. En tous les cas, bah, on a là le quatuor des meilleurs joueurs de cette compétition. J'ai quand même l'impression que le Standard de Liège est un petit peu en deçà de ses quatre joueurs. Hein. Même s'il a un bon niveau de jeu, notamment en fin de compétition, on sent voilà, il y a peut-être un peu moins d'assiduité, notamment on s'est un peu laissé aller aussi sur la fin. Oui. Sinon, on aurait aussi beaucoup de points. A voir, hein, le Standard de Liège est toujours là où on ne l'attend pas dans tous les cas. Attention, Gano. Gano, double contact, la passe en retrait. Ouf, le tacle qui a failli atteindre Vukotic. Heureusement d'ailleurs qu'il n'a pas été touché. Ça aurait pu être un éventuel carton. Verstraat. Oh, gros choc au milieu du terrain. Slimani reprend. Slimani reprend. Ce retour, double contact. Avec Okensi maintenant, peut-être pour lancer Badam aussi qui se retourne. Qui a... Oh, il aurait pu tirer ici. C'est dommage ça, Xavier. Moi, c'est vrai qu'il aurait pu tirer. Il a peut-être attendu un petit peu trop. Effort pour Verstraat. Verstraat encore et dans l'axe avec Evans pour Sainz. Finalement, aucune conséquence. Sissoko reprend pour Makarenko. Sissoko, Makarenko. Penses-tu que Waslan Beveren est capable d'inscrire un but dans ce match? Te connaissant, si tu me poses la question, c'est que tu as un avis tranché sur la question. Non, c'est juste Non, une petite vraiment? question. Justement, qu'on parlait de la défense de Mainz, c'est ça qui en fait très très peu durant cette compétition. Et ici, ben, on a un adversaire qui marque peu, Waslan Beveren, donc. Ouais, en théorie, la manière avec laquelle tu la poses donne déjà une réponse en soi. Hein. On est plus sur un pronostic. Disons que dire que oui, il va marquer est un pronostic très difficile. Mais bon, on sait que Beveren, même s'il n'a pas beaucoup marqué, moi je soutiens qu'il a des qualités offensives qui sont un peu insoupçonnées. Son gros problème, c'est la défense. Hein. Ça, c'est sans équivoque. Mais offensivement, il a montré certaines choses, il a montré certaines créativités. C'est léger, mais capable il est. Je ne pense pas qu'il va le faire, cependant. Attention, Badam aussi. Badam aussi. Oh là là, la fin de frappe, ça va rentrer. La passe pour Gano. On a effacé l'adversaire et son tacle glissé. Magnifiquement joué de la part de Mans. Deuxième but dans cette confrontation. Moi, je pense pas qu'il va revenir, mais il a les capacités, disons, pour en mettre un. Même si je suis pas spécialement certain que ça va arriver. Moi, je pense que tout dépendra du nombre de buts que Mans va inscrire. C'est vrai. Simplement, s'il arrive à 3 ou 4-0, il va peut-être défensivement se relâcher un petit peu. Et il y aura peut-être un peu plus d'espace. Par contre, si ça restait 0-1, j'étais sûr que Beveren ne marquerait pas. Maintenant, 0-2, peut-être un petit peu, mais bon, ça m'étonnerait quand même. Ouais, c'est possible. Mansa qui d'ailleurs a une attaque au final en nombre de buts qui est que légèrement supérieure à celle de la majorité des buts de classement général. C'est intéressant d'analyser cela d'ailleurs parce que bien qu'on voit voilà sa position de classement déjà quatrième, on pourrait se dire il a marqué beaucoup plus de buts. Il est quand on le compare avec le reste des joueurs, bah 46 pour Saint-Tron, c'est énorme. Il a une manière de jouer très similaire à Zult hein, quand on y pense en termes de ratio, de différence de buts, etc. Deux joueurs très similaires, même nombre de buts marqués déjà, d'ailleurs à ce stade, 29 tous les deux. Et évidemment beaucoup plus offensif du côté de Saint-Tron et Charleroi avec énormément de buts, mais également plus de buts encaissés. Différence de buts qui est d'ailleurs assez impressionnante de ces deux côtés également là. Gano. Et Gano, la belle récupération de Huytens. Huytens encore, le petit râteau, et on va chercher Verstraat. Tranquillement mais sûrement, ce match est en train d'avancer. 39e, pardon, minute de jeu. Beveren qui va sûrement vraiment essayer de tout donner. Il y a moyen de marquer deux buts aussi. Honnêtement, il va falloir donner le meilleur de soi-même. Il faut montrer quelque chose qu'on n'a pas assez vu malheureusement. Mais malgré tout, c'est possible. Mais tout est toujours possible. Après, il faut que l'adversaire te laisse la possibilité de le faire. Golubovic. Golubovic avec Sissoko. De nouveau Golubovic.
va sûrement essayer de reproposer une action un peu similaire. Hein. Makarenko, la petite feinte de Ganou, c'est pas mal. Ah, le drag back vers l'arrière. Sûrement pour revenir dans la même position que précédemment. Un petit peu plus lent qu'avant les drag back aussi. Hein. Oui. Attention, c'est pas mal ici sur l'aile gauche. La petite feinte, double contact. Et on est pressé par Verstraat qui va réussir à prendre des vitesses. Sissoko récupère. Là, c'est l'arbitre et de couleur rouge cette fois-ci, tiens. Oui, j'y ai pensé, mais Tu as pensé aussi? heureusement, il a un short noir, donc on voit plus la différence. Madame aussi la coupe. Oh, elle a peu de chance pour Madame aussi, finalement. Molitens va reprendre. Et ce sera à la fin de la première mi-temps. Mais encore une fois, ici, on a eu une occasion dangereuse de Madame aussi avec l'enchaînement croquetal, le petit contre-favorable qui aurait pu permettre un tir. Ça n'aura ôté aucunement le cas. Eh bien, pour l'instant, 2 buts à 0, 45e, et moi, ça me paraît tout à fait logique, hein, tout à fait cohérent. Ouais, m'a-t-il bien maîtrisé de bout en bout pour le moment par Mansa. Il À a fait l'image de la ça, différence quand. rapidement, et puis depuis il gère le score, il se fait plaisir en attaque, il a réussi à inscrire un deuxième beau but, et je pense que voilà, il est pas forcément. Il est plus là pour s'amuser, essayer des choses, que vraiment focus sur aller inscrire ce un ou deux buts en plus. À l'image de ça, comment on s'attendait, hein, évidemment. Sissoko. Sissoko. Et on va chercher maintenant Drake pour Palaversa. Oh, dommage, on a tenté d'aller chercher Gano ici. Boetens bien placé pour reprendre ce ballon. Albanese. Ouais, non, mais voyez, ça c'est le genre de petites erreurs qui créent pour l'instant des problèmes à hein, Beveren. Oh, cette poussée de ballon et le but. Très bien vu de la part de Courtrai. 3 buts à 0. Que dire, hein? Que dire réellement Beveren bien loin de ça. Ouais. Et justement, en avant-match, je me doutais que Wassant de Beveren allait prendre un but avec une face similaire. On a vu Mans tout au long de la compétition, il aimait énormément jouer avec le grand pont, le bridge. Et tout simplement, quand tu défends comme ça aussi passivement Wassant de Beveren et que tu sélectionnes pas tes défenseurs, c'est impossible de défendre dessus. Bien sûr. Tu es obligé de sélectionner ton défenseur pour anticiper. Et si tu le fais pas, ben, quoi qu'il arrive, le joueur adverse passe et tu ne peux qu'encaisser. C'est une grande arme hein, contre la défense auto. Ouais, là, par contre là, on a tenté un débordement. Alors on a peut-être poussé un peu le ballon trop loin. Mais grâce à la rapidité qui avait été proposée ici, on aurait pu espérer quelque chose. Ça n'en sera rien finalement. Oh, après, il a failli la reprendre. Faut faire attention à ça quand même. Hein. On pourrait se prendre des buts assez facilement sur un dégagement. C'est déjà arrivé, même pour les joueurs les plus expérimentés. Et le joli tacle de Vukotic. Lickman reprend. Hakim Lickman sur les droites. Il déborde. Ah, la mauvaise passe. En fait, je pense qu'il a anticipé que Beveren allait changer de trajectoire pour un centre. Ouais, c'est possible. Vukotic, Koita, Eymans, Eymans Lerato, Saintieu, Eymans de nouveau. Pas grand-chose, pas beaucoup d'endroits. Ici, Saintieu une nouvelle fois. Ici, revient en retrait pour Koita. Et finalement, Doha le sera positionné. On va chercher un corner. Arrêté par Deman. Albanese, Eymans, Wuitens. Vukotic, Wuitens de nouveau, Eymans et Koita. Attention, c'est pas mal ici. Passement de jambes, on peut tenter un tir peut-être. Et oh là là! Ce tir qui finalement, eh bien, a été arrêté de manière assez étonnante. Hein. On a tiré sur le jaune de Courtrai, littéralement. Et on a aussi fait une petite chute. Rien de grave, évidemment, aucune blessure. Madame aussi, sur les droites, qui prend de la vitesse face à Eymans. Et Eymans va récupérer très tranquillement. Oh, malheureusement, on n'arrive pas bien à se dégager. On aurait dû donner ce ballon un peu plus tôt, peut-être. Madame aussi. Sissoko. Sissoko encore. Hakim Lookman, Sissoko, Gano. La petite feinte de Gano, Croquetta. On se retourne une nouvelle fois. Ah, le scoop turn et le tir. Arrêté par le Towers. Puis on avait une action où on aurait déjà vu, enfin, on a déjà vu des pénalties pour des actions similaires. Oui, absolument. Là, on a une passe. Bon, c'est bien tenté, hein. La position Faut de Saint-Dieu essayer, est voilà. intéressante. Voilà. Deman, Golubovic, Drake. Pas l'inverse, ça. Et à gauche. Ah, ouais, non, il était largement en position d'enjeu. C'était peut-être un mauvais call de ma part. Enfin, l'inverse une nouvelle fois. Hakim Lookman. Ouais, c'est pas mal, il prend de la vitesse. La petite feinte. Décidément, il en fait beaucoup des feintes hein, ici. Je me rappelle qu'on avait beaucoup jugé les enchaînements de double contact chez Courtrai la semaine passée. Non, il y a. Oui, c'est ça, la semaine passée, pardon, si, si. Koita. Et Sissoko reprend ici, pas mal. Verstraat. La profondeur de Verstraat pour Albanais, c'est peut-être. Albanais c'est face à Dano et Dano reprend très tranquillement. 3 buts à 0 toujours, 70 minutes de jeu finalement il n'aura pas été chercher hein, ce petit but dont on parlait pour l'instant Non. Xavier, rien Après il n'est reste fait. 20 minutes hein, c'est possible, mais effectivement pour le moment il n'a pas encore réussi. Eymans, allez le tacle pas mal de Courtrai, Gano en deux temps, Lookman qui prend de la vitesse, la petite feinte de Lookman elle était prévisible, on repart à droite, la croquette va à la gauche et joli tacle de Vukotic.
C'est toujours une prise de risque de faire un tackle dans la surface de réparation. Et bien ce risque a été payant finalement. Heymans. Retrait vers Vukotic. Heymans avec Saints. Qui décidément a fait un travail assez important offensivement parlant hein, dans cette confrontation. Oui. Même s'il n'a jamais réussi à être assez dangereux. Sissoko. Et joli tackle de la part de Beveron. Heymans. De l'autre côté. Et ça passe jusqu'à le Benessé. Ça passe bien jusqu'à le... Ouais, non, malheureusement. Dommage, le centre était vraiment très... Enfin, le centre. La passe en profondeur, disons plutôt, était très intéressante. Ok, c'est sur l'aile gauche. Petit râteau, double contact. Encore une petite feinte. On vient chercher Sissoko. Qui revient vers le cassé. De nouveau vers Sissoko maintenant, dans l'axe avec Hakim Ekman. Peut-être qu'il peut se retourner, les double contacts. La croqueta. Encore la feinte, on arrive à passer sur les trois défenseurs. Avec un deuxième double contact. Et le but de Mans. Il a réussi à se démêler du bloc défensif adverse. Et bien voici une sorte de masterclass, hein, on peut ouais. dire. Non, on le voit très serein, détendu. Et je pense que c'est pour ça qu'il arrive à sortir certains gestes. Hein. Il joue détendu, puis il n'a aucune pression lors de ce match. Bien sûr. C'est en théorie aussi un peu le cas du côté de Beveron. Hein. De certaine manière, on n'a jamais d'accès au top 8, mais peut-être que la pression est un peu plus grande, ne serait-ce que pour aller chercher des points. Voilà, c'est ça. C'est tout ça. Whitens. Mais surtout la pression de faire une bonne prestation. Il est vrai, il est vrai. Quand tu es un petit peu dans le mal niveau du classement, tu essaies quand même de retirer du positif en sortant des bons matchs. Alban Essay. Après, oui, bien sûr. Aussi pour l'amour du club. Hein. Enfin. Alban Essay sur les droites. Pressé. Oh, la rapidité de Dan. Il n'aura laissé aucune chance à son vis-à-vis pour continuer son offensive. Hein. Sissoko. Sissoko pour De Waal. À droite, il n'a pas le choix. Hein. Il n'a pas le choix d'aller chercher Golubovic. Du moins, il en a-t-il très peu. Hakim Lukman. Gano. Et... Ah non, on ne pourra pas le faire. Kota Heymans. En retrait vers Vukotic. Frey. Se retourne, c'est pas mal. Cherchant la profondeur pour Heymans. Et non, une nouvelle fois. Ça ne marchera pas. Madame aussi. Double contact. Sissoko à gauche. Ah, on n'a pas vu encore une fois la profondeur à gauche. Il était parti tout seul. Lukman. Et le tacle de Verstraat, 88ème, allez, peut-être un 4 buts 1 pour Beveron. C'est l'occasion de le mettre en tout cas. Goïta, Verstraat. Avec Frey. Frey qui pousse, petit râteau, la talonnade, même ça, ça ne passe pas. C'était beau, mais le problème c'est que ça n'aboutit pas. Oui, oui c'était joli, effectivement. Hakim Lukman à droite, il est pressé par Vukotic, le petit râteau, la passe pour Gano. Et oh, l'arbitre qui est méchant hein, sur ce coup-là. Il voulait pas le 5ème but. Hein. Il voulait absolument pas le 5ème but, il était satisfait du score, 4 buts à 0 pour Beveron. Eh bien, non, pardon, pour Courtrai, excusez-moi. Mais c'est tout à fait logique, hein. Tout à fait mérité. Oh, la logique a été respectée dans ce match. Le classement général a été respecté. Qu'est-ce qui leur a manqué, tu penses? C'est l'occasion d'en parler avant de revenir sur le match justement de Beveron face à Ostende. Qu'est-ce qu'il manque à Beveron pour aller chercher ces fameux points? Ben, surtout de la stabilité en défense. Et être bon défensivement, c'est surtout ça en fait le souci, c'est que défensivement on prend énormément de buts, on est trop passif. Et bon, devant c'est vrai qu'on n'arrive pas à marquer, mais de manière générale si tu n'encaisses pas, comme Mans justement, c'était ça, on le voyait les années précédentes, Mans il encaisse très très peu. Donc si tu gardes le 0 derrière, au pire des cas tu fais 0-0. C'est et vrai. Tu prends un point, après un petit but de temps en temps tu le marqueras toujours. Mais l'important, c'est comme au foot, l'important c'est d'abord de ne pas encaisser. Si tu ne prends pas de goal, tu prends au moins un point, et puis après ben, tu verras bien. Après, il y a peut-être une volonté justement de jouer plus offensif, plus ouais, agressif. Mais bon, si c'est fait à toi, ça va pas donner grand-chose. Ça sert à rien. Ça va pas donner grand-chose. Après, voilà, ça dépend aussi de la manière de voir les choses. Eh bien, il ne reste plus qu'un match, Xavier. Oui. Un match dans l'avant-dernière journée de la compétition, ça passe beaucoup trop vite. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Récapitulatif de l'ensemble des scores de cette journée, sauf les derniers matchs qui, on vous l'a dit, avaient été postposés durant la semaine passée, donc ne se retrouvent pas dans le tableau que vous pouvez voir actuellement. Rajoutez à cela également la victoire de Zulte Waregem face à Eupen. Et vous aurez l'ensemble des résultats pour l'instant vus aujourd'hui. Parmi les grands temps forts, on vous le répète, Anderlecht Club de Bruges 1 but à 1, la victoire de Malines qui fait tomber une nouvelle fois Zulte Waregem 2 buts à 0. Et puis la lourde victoire par exemple de Charleroi face à la Grantoise 6 buts à 1. Notons le premier point d'Ostende aussi. Oui. Mais tout cela, on y reviendra évidemment tout à la fin, et notamment dans l'inauguration de cette toute dernière confrontation qui nous entend. Avant, eh bien, il me semble qu'il reste une capsule. Alors je ne suis pas 100% sûr, mais je pense qu'il reste une capsule. En tous les cas, restez bien en notre compagnie. Il nous reste un match à suivre et on attend avec grand plaisir.